Merci, Monsieur Arnaud Viala. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci pour ce texte. Moi, je voudrais dire deux choses et vous poser une question. La première chose, c'est que je souscris aux remarques qui ont été faites par mon collègue Diard, notamment sur le fait que il est un peu dommage que ce texte n'embrasse pas la question des conséquences de la radicalisation des détenus de droit commun, des autres détenus dans le cadre de leur détention, parce qu'il y a un vrai sujet qui concerne, je pense, beaucoup plus de personnes que le texte que vous proposez, en fait, n'en environne. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis un peu surpris, pour ne pas dire choqué, qu'on puisse ici s'interroger sur la préservation de la liberté de gens qui ont porté atteinte à notre nation, à notre pays, à nos concitoyens, en commettant des actes terroristes. Et il est évident que les mesures que vous proposez, d'abord, auraient dû figurer dans la loi initiale, et deuxièmement, sont urgentes à mettre en œuvre parce qu'elles affinent la préservation d'un certain nombre d'éléments de sécurité pour toute notre société. La question que je voudrais vous poser, parce que je n'ai pas pu participer aux auditions que vous avez conduites, c'est de savoir si vous avez évalué le nombre de détenus qui seraient potentiellement concernés par l'application de ces mesures une fois le texte voté. Merci.